Bonjour, chers internautes. Je m'appelle Elhaj Amadou Sam. Je suis le coordonnateur du REACT. Donc, le REACT, c'est le réseau des entrepreneurs actifs. Donc, c'est un réseau qui a été créé et qui regroupe tous les chefs de PME, qui regroupe aussi les chefs de start-up et les TPE. Donc, notre mission est déjà de renforcer et aussi de réduire les risques par rapport aux impacts économiques causés par le COVID-19 et aussi renforcer ces PME qui déjà avaient des problèmes lorsqu'il n'y avait pas de COVID et présentement où il y a la situation avec le COVID qui rencontre d'énormes difficultés. Donc le REACT s'inscrit véritablement dans ce sillage-là. Donc face à la situation actuelle du COVID-19, les PME, les start-up et les TPE sont extrêmement touchés. Donc les PME, les petites et moyennes entreprises. Donc il y a aussi les start-up qui sont les entreprises qui travaillent plus sur les nouvelles technologies et qui sont aussi de très petites entreprises qui parfois même ont des problèmes par rapport à la formalisation. Et plus important, il y a ce qu'on appelle les TPE, très petites entreprises que les gens ne prennent pas souvent en compte, qui sont les entreprises qui n'ont pas de reconnaissance, mais qui, eux aussi, s'activent. Donc, le REACT prend en compte toutes ces entreprises-là. Donc, face à la situation du COVID-19, beaucoup d'entreprises ont eu d'énormes difficultés. Et à ces problèmes, nous avons notamment le manque de marché, donc perte de marché notamment. Nous avons aussi des difficultés pour payer la location, des difficultés pour payer les salaires, parce que chaque PME emploie au minimum 5 personnes. Et même les TPE, parfois, ils emploient 2 à 3 personnes. Donc, ils ont aussi des problèmes de charges par rapport à la logistique, mais aussi des pertes de clients, parce que la plupart du temps, travaillent par prestation, d'autres travaillent avec des clients. Donc, la situation touche énormément les PME, notamment les start-up et les TPE. Et maintenant, vu cette situation-là, le REACT regroupe tous ces PME autour d'une plateforme. Donc, une plateforme dans laquelle on s'inscrit et on met le nom de l'entreprise ainsi que les contacts pour pouvoir porter le plaidoyer au niveau des ministères concernés, au niveau des directions concernées, mais aussi au niveau des grands entrepreneurs qui déjà sont des entrepreneurs et qui aident l'État, mais qui devraient aussi aider ces PME. Donc, je m'en vais directement par rapport aux revendications. Donc, pour les revendications du REACT, nous voulons lancer un appel au gouvernement du Sénégal par rapport à l'enveloppe du Force COVID-19 qui a été mise sur pied par rapport à la résilience économique. Donc, quand on parle de résilience économique, je pense que l'impact sur les PME, l'impact sur les start-up et les TPE, je pense que c'est l'impact le plus déterminant. Parce que quand les grandes entreprises commencent à vraiment souffrir, moi je me dis que les PME et les start-up, en termes de souffrance, je pense que c'est plus grave. Donc l'autre, c'est par rapport aux directions telles que l'ADPME, telles que l'ANPEJ, telles que le FONJIP et le ministère en charge des microfinances. Donc, nous espérons avoir des accompagnements. Et ces accompagnements peuvent être multiformes. Déjà par rapport aux banques, la plupart des PME ont des échéanciers avec les banques. On peut étendre ces échéanciers. Et aussi par rapport aux charges, c'est-à-dire les charges du mois passé et du mois à venir, je pense qu'on pourrait avoir des stratégies d'allègement de ces charges-là. C'est-à-dire notamment pensant par des soutien des accompagnements financiers ou bien de petits prêts qui pourront les aider à honorer ces charges-là. Parce que si on ne le fait pas, l'étude que nous avons faite a démontré déjà que 60% des PME risquent de mourir avec ce COVID. Et vraiment, on ne l'espère pas. Donc, du coup, on appelle le gouvernement ainsi que les directions de nous venir vraiment en aide. Et le dernier appel que j'aimerais lancer, ça, je le lance aux grands entrepreneurs, c'est-à-dire je fais appel à M. Tahirou Sarr, M. Gougane Dany, M. Youssou Ndour, M. Serigne Boub, qui sont des entrepreneurs. Et déjà, Serigne Boub avait
montrer sa volonté d'aider les PME, je pense que l'occasion, elle est là, et on leur lance un appel pour pouvoir aider le REACT. Donc, la dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la plateforme que nous avons mise sur pied. Donc, nous avons mis sur pied une plateforme en ligne qui a été partagée dans tous les réseaux sociaux. Donc, tous les entreprises, les PME et les startups peuvent s'inscrire et voilà, et aussi mettre leur NINEA pour les PME et pour les startups et TPE, juste des pièces justificatives qui montrent que c'est des entreprises. Donc, par rapport à ces organisations et ces entreprises, donc on espère les accompagner, c'est-à-dire notamment des accompagnements techniques, et aussi on espère des accompagnements financiers par rapport à ces PME et ces startups. Vraiment, on lance un appel, un cri de cœur fort au gouvernement pour qu'il puisse nous venir en aide. Assalamu alaikum, chers internautes de Sénégal Live, mangi ñu nuyu di len sante mangi sante wa Sénégal Live ci opportunité bi ñu jox ni ngir ñu déllu ci un peu sur la situation des PME, des startups ak les TPE au Sénégal. Donc man may Elhadj Amadou Samb, donc je suis le coordonnateur di jité REACT. Donc REACT ci tubab moy réseau des entrepreneurs actifs. Donc réseau des entrepreneurs actifs ben bankas la bo xamanteni de fa regrouper ñi ñuy woyé PME, petite et moyenne entreprise, ñi ñuy woyé startup di entreprise yu ndaw yo xamanteni ñi ngi retourner wu ci les nouvelles technologies, ak ñi ñuy woyé TPE moy très petites entreprises yo xamanteni da non ndaw ba danaka duñ leen faral di bay xel. Donc suñu objectif moy fexé ba nga xamanteni entreprise yi nga xamanteni ñi ngi nekkon ci jafé jafé déjà avant Covid, ak Covid bi ni gëna aggravé jafé jafé yoy, donc ñu fexé nan la leen ni renforcer ak nan la li wañi risque. Su may wax risque moy risque que ñom entreprise yoy daal di dé, ndax étude yi ñu défon avant même le Covid wané na ni entreprise yu ndaw yu ñu wé les PME buñu juddo buñu démé ba lu tollok juroom ñaari wër ñi ci ëpp 60% dañuy dé. Donc ñi ci dundu manam 40% yi ñoo ci mucc. Donc bu Covid amé situation bu dé gëna grave. Donc li ñu war moy que ñu bolo suñu biir, buñu bolo suñu biir kenn ku nekk ñu xool ñan ñoy les ministères en charge de ces questions là, yan direction ñoo ci liggéey, ak aussi entrepreneurs yu mag yi nga xamanteni amna ñu fo xamanteni yegg nañ fa. Donc motax ñuy lancer appel bu ñëk bi ñing koy lancer le gouvernement du Sénégal, moy l'enveloppe force COVID-19 bi nga xamanteni élaborer nañ ko, ñu ci sante gouvernement bi bu baax, waye dañ ci faté entrepreneurs yi, dañ ci faté PME, startup ak TPE. Donc buñu sañoon ñu bolé ñu ci enveloppe bobu, bolé ñu aussi ci discussion yi ak ci stratégie ak nan lañuy fexé ba kenn ku nekk jotti. Timit direction yi nga xamanteni ñi ADPM fonjib ak direction bi ñu nane ANPEJ, ñom ñep ku nekk bind nañ la lettre pour ñu xol yane proposition ñun lañ leen mën defal, parce que amna ñu ay proposition yu leen mën defal, xol aussi nan lañuy def ba harmoniser liguey bi ba fexé ba dimbali yenn entreprise yu ndaw yi dimbal yoy nonu mu ngi jaar ci ben plateforme bu ñu créer. Plateforme bobu tassare nañ ko ci réseaux sociaux yépp, entreprise yu ndaw yépp inscrit ci. Donc il y en a beaucoup de membres. Légui entreprise yoy buñu duggé ci plateforme bi, c'est juste pour pouvoir en fait que ñun ñu porter plaidoyer au niveau des institutions pour que ñom ñu mëna am ay ndimbal yu leen permettre que Covid bi du leen danel. Donc ci nonu dañuy fexé ñaan banque yi nga xamanteni ñoy liggéey nguur gi ak même ñi liggéey nguur gi ñu jéma xol nan la ñuy goudelé échéancier, moy randal échéancier ci ñi nga xamanteni dañu yorel banque. Buñ ci juggé aussi bëgg nañu fexé ba am ben accompagnement financier bo xamanteni charge mois bi passé ak mois bi di ñëw nga xamanteni ay mois au crise la, ñu fexé ba alléger charge yoy, même bu ñu mënul alléger lepp ñu fexé ba alléger charge yoy non. Donc appel bu mujju bi ñuy lancer, appel la bu ñuy lancer
entrepreneur yu mag yi déjà ñi ngi dégg ku mel ni Serigne Boub mu ni que moom dafa bëgg dimbali PME yi donc ak start-up yi donc japp naa ni opportunité mi ngi nii pour que mu def ko donc ñi ngi koy ñaan envoyé nañ ko lettre envoyé nañ lettre Gougane Tayrou Sarr et aussi ñi ngi leen di gërëm ci geste yi ñu def pour dimbale ko état te di leen ñaan geste boobu ñu gën ci xalaat entreprise yu ndaw yi pour que au moins bu ñu génnee ci crise bi ñu fexe ba am benn résilience boo xamante ni dinañu mën a téye ba entreprise yu bare duñ dee donc fi ñuy daanelee rek mooy que entreprise yi ñu naan PME ak yi ñu naan start-up ak TPE danoo nekkoon ci jafe-jafe yu metti avant que ñuy dugg ci crise bi jafe-jafe yu metti sax donc crise bi bi mu ñëwee dafa gën a aggravé jafe-jafe yooyu donc looloo waral réseau bi nga xamante ni mooy réseau React nga xamante ni dafa dajale ñooñu ñëpp te yamul ci entreprise yi rek dafa dajale sax organisation yi nga xamante ni dañuy liggéey ci mbirum ndaw ak xëy donc sunu objectif mooy nu ñuy fexe ba renforcer leen même bu ñu génnee ci crise bi ñu fexe leen dimbali ci renforcement technique notamment ci nan la ñuy formaliser wu nan la ñuy amee ay këyit ak nan la ñuy jotee ci financement yi et que aussi état bi jàppale leen à travers les directions et que ñu gën a fexe nan la ñuy yombalee waxtaan bi parce que aussi ñun am nañu ay idée ñoom am nañu ay idée nanu boole sunu idée yëpp ci problème COVID-19 bi donc maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërëjëf.